Coucou tout le monde, ici Olivia Yellowpoulos en direct de Star Stable après le gros rhume, l'extinction de voix. On va faire la mage. Alors, ah putain, c'est horrible. Ça va être rigolo quand je vais m'écouter parler comme un canard là. Donc, on va faire la mage de mercredi. J'ai pas pu la faire avant puisque j'avais ma maman qui était là. J'avais un peu autre chose à faire vu que je la vois pas souvent. Qu'est-ce que je voulais dire? Epona, la semaine prochaine! J'arrive pas à dire oui! C'est trop rigolo quand j'ai une extinction de voix. Je trouve ça drôle. Bon, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc la nouvelle région, la semaine prochaine, j'essaierai de réunir tout le club. Enfin, tous ceux qui peuvent et tous ceux qui veulent, surtout. Et pour faire une grosse vidéo découverte, etc. Bon... On verra pas tout, hein, mais je pense que je vous montrerai un petit peu au moins. Et d'ailleurs, je suis contente qu'il y ait plein de gens qui... Oh mon dieu, il y ait plein de gens. Ah, mais cette voix. Pardon, alors je tousse aussi, c'est trop cool. Qu'il y ait plein de gens qui nous suivent. Quoi? Non, mais il reste des curlis, j'ai pas tout mangé. T'as mangé tous les croustilles fromage. Mais non, les croustilles fromage, ils sont dans le placard. Les croustilles fromage. Ils sont dans le placard. Les croustilles fromage. Mais bah, va les manger. Bon, voilà, c'était la vie très intéressante de Ren et Loupi. On va commencer cette mage parce que sinon, dans 30 minutes, on lit encore. Alors. Oh, qu'il est mignon, le chat. Alors, vous m'excuserez pour les voix, mais je suis pas sûre d'être apte à les faire, là. Mais non, ils sont dans le placard, je te dis. C'est chiant. Je vais pas être apte à faire la voix, surtout la voix de Freya. Donc c'est Ren qui va la faire. Ah, ah ouais, non. Et si, vas-y, fais la voix de gamine. Allez. Je fais les premières lignes, histoire qu'on se foute bien de ma gueule. Vas-y. Comme dans mon prochain let's play. Vas-y. Alors. Bonjour Olivia. Je suis fâchée. Grrr. Non mais c'est une voix de gamine, pas une voix de pétasse. Non. Bonjour Olivia. J'ai pas la tête. Bonjour Olivia. Jasper est vraiment content. Il a détruit mon cerveau, non, alors que je lui avais dit qu'il ne pouvait pas jouer avec. Il ne m'écoute jamais, 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 jamais. C'est bon, je m'arrête là. Non. Si, si, si. Connie. Non. Je vais essayer de couper les moments où je tousse. Je promets pas de tousser d'avoir. Bon. La vidéo va être saccadée. C'est ça. Alors, donc, tu penses que c'est parce qu'il est un chat? Je sais que je ne peux pas vraiment être fâchée contre lui. Il est si mignon. Ne l'est-il pas? Mais mon cerf-volant est tout de même brisé. On dirait Grougal en fait. Grougal, notre dernier chat, c'est un chaton, donc il fait plein de conneries. Mais il est si mignon. Tu veux m'aider à en construire un nouveau? Non. Merci, 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 merci. Non, je peux vraiment pas la faire, là. Non, mais c'est tout. C'est quoi cette voix? Ça me rappelle un dessin animé. Peut-être Button. Button? Button Mash. Non. Non. Non, un vrai dessin animé. Oh, rien. Enfin, tu es la meilleure. D'abord, il nous faut des branches solides, juste de la bonne grosseur pour faire... Non, je peux vraiment pas la faire, c'est trop triste. Fermez-moi. Pour faire la base. Pourrais-tu aller en chercher là-bas alors que je cherche ici? Mais oui, allons-y gaiement. Mais je suis en train de penser à un truc, ça m'arrive des fois. Oh. Déjà, je vais dans le mauvais sens. Normal, hein. Pas bien jouer et penser en même temps. Non, mais qui dit nouvelle région dit nouveau personnage, donc nouvelle voix. Oh, ça va être trop bien. Y'a Red qui tire une tête, genre tuez-moi. Quoi, c'est tout? Mais c'était simple. Allez, mon cheval. Alors, oui, c'est encore un nouveau. J'ai atteint 50 chevaux là. La FAQ sortira dimanche. Merci pour vos questions. Et accessoirement, il y a un nouveau let's play qui va sortir samedi, si vous n'êtes pas encore au courant, où je fais une collaboration avec un autre youtubeur sur les Sims 4. Donc faut que vous alliez voir, ça va être rigolo.
Alors, j'ai assisté à la construction de tonnes de cerfs-volants auparavant, alors je suis presque une experte. Oui, oui, c'est ça. Il faut les rendre lisses pour en faire de jolis bâtons. Mais maman et papa disent que je ne peux pas utiliser le couteau. Bah, vu comment t'es pas douée avec un serpent, le couteau laisse tomber, hein. Ils ne comprennent pas que je suis en fait la meilleure bâtisseuse de cerfs-volants. Elle me saoule, on dirait une mini Rainbow Dash. Puisque je ne peux pas utiliser le couteau, peux-tu le faire à ma place ? S'il te plaît, etc., etc. Hourra, tu es la meilleure. Je suppose qu'il faut que je descende du canasson. Le vieux gâteau. Allez, on y va. L'avantage de faire la vidéo le samedi, c'est qu'il n'y avait plus personne autour de Freya. Ça, c'est bien. C'est très bien, ça. Allez, vas-y. Merci, 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 merci. Elles sont parfaites pour notre cerf-volant. Oh, cette voix. Mon Dieu. Je vais quand même essayer de faire la voix de petite fille parce que ça me perturbe. Ça va être le plus beau cerf-volant du monde. Je vais l'emmener à l'école et le montrer à tous mes amis. Il faudra que je surveille Casper pour qu'il ne joue pas avec. Olivia, voici la partie la plus amusante, c'est-à-dire construire la base du cerf-volant. Je peux vraiment pas tenir cette voix. Rigolez derrière vos écrans. Un jour, vous aussi, vous aurez une extinction de voix. J'ai une angine, en fait, qui m'a bien bouché le nez et cassé les couilles. Et maintenant, cassé les ovaires. Quoi, je dois du papier utiliser. Ah, il est là. Allez, oh, c'est trop mignon. On dirait un cerf-volant de la Gay Pride. C'est chou. Bah, tu le fais ou pas, là? Donc, je disais un rhumangine, une rhinopharyngite, je pense que ça s'appelle. Je pense. Qui fait de la merde, voilà, et qui m'embête. Oh, j'ai pas lu. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, je pense que tout le monde l'a fait, la mission. Il ne nous reste plus que le moment le plus difficile. Assembler le cerf-volant et les bâtons, n'est-ce pas? Moi. On gagne un pantalon nul. Je suis désolée. Déçue, pardon. Si je me trompe dans les mots, ça va pas aider. Super colle. Utilise la super colle. Ouais. Donc c'était une petite mission avant l'arrivée de la nouvelle région. Quoi, faut que je fasse quoi? Oh. Il est beau ce cerf-volant. Alors, t'es satisfaite? Hourra, c'est le plus joli, le plus beau, le plus cool et les cerfs-volants. C'est trop bien. Bon. Donc j'ai gagné un pantalon, donc c'est ce pantalon, il est... Ouais. Bon, il finira dans mon placard, hein, comme le reste. Donc, c'est parfait. C'est parfait, c'est pas ça que je voulais faire. Bon bah les amis, j'espère que ça vous aura plu, même si c'est sorti en retard, au moins c'est quand même sorti. Hein. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous aime avec des cœurs, des câlins, des paillettes et des extinctions de voix aussi. Je fais mes vidéos même quand je vais au plus mal. Un jour j'aurai la grippe et je ferai la vidéo. J'espère pas avoir la grippe puisque j'ai jamais eu toute ma vie. Voilà, c'était la partie intéressante, cool de ma vie, ou pas. Moi je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine, salut!